Pour cette vidéo, on va voir si je suis une vraie youtubeuse et que je connais pas mal de trucs sur YouTube. On lance appuyé sur triangle carré. Non, désolé, ça je sais, c'est pour soutenir le créateur, mais j'ai déjà mis un créateur à soutenir. Il y en a pas mal de mes abonnés, c'est qui c'est en fait. Allez, alors bienvenue dans ce vrai ou faux spécial YouTube. Vous aurez 23 questions sur le thème de YouTubeur. N'oubliez pas de lire les réponses à la fin de chaque question sur le mur de droite. D'accord, allez, je relève le défi, on va voir si je suis fait pour être YouTubeuse. Non, je regarde, peut-être je vais faire des fautes, mais voilà. YouTube est créé en 14 février 2005. Vrai ou faux? Par contre, moi je dirais faux parce que mon frère a commencé YouTube le 2006. Alors je dirais vrai parce que je sais pas comment ça a commencé, mais je vais voir ça. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Mais pourquoi vous me parlez des youtubeurs? Je connais rien aux youtubeurs. Ouais, je regarde jamais leurs vidéos. Ouais. Gotaga est le deuxième joueur français le plus titré sur Call of Duty. Mais je connais rien. Je connais rien. Je connais rien sur Gotaga et sur tous les youtubeurs. Bon, vas-y, hein, c'est pas grave. On va tester. Pourquoi? Moi, j'ai cru que c'était d'autres questions. Mais non, ça parle des youtubeurs en fait. Bah, je dirais faux, je sais pas, moi. Je suis nul. Le premier film de Normand est Paranormal Activité. Le premier film de Normand est Paranormal Activité. Hein? What the fuck, je dirais faux. Antoine Daniel a fait en tout 37 What the cute. C'est quoi ça? Faux. J'ai pas. La vie c'était vrai, mais c'est quoi ça? Oui, il y a des trucs que je connais pas. Antoine Daniel a fait tout, il est trop, c'est what? Bah, The Cutter. Bah, on va dire vrai, hein. Mais je connais rien sur Michou! Je connais rien sur les youtubeurs. Ok, je sais même pas si c'est Michel, le nom de Michou. Après, ça lui va, hein. Il faut du temps pour bien se connaître. Ah, tais-toi, Google, je t'ai pas parlé. Michou, bon, bah je dis oui, ça lui va en plus, hein. Ah non. Michou va voir ma vidéo, il va me tuer la vie. Ah ban, désolé, alors, faux. Mais je connais rien, moi, sur les youtubeurs, ouais. Je regarde pas des vidéos sur YouTube. Y a que mon cousin qui regarde des vidéos de Michou, ouais. Monsieur Flic Carilito ont tous les deux 33 ans. Ah, l'âge, comme si j'allais demander à tous les youtubeurs, t'as 33 ans, t'as quel âge, oh j'ai pas que ça à faire, bah je dirais 33, je dirais qu'ils font plus jeunes, je sais pas moi, ah non, je connais rien, les amis je vais pas y arriver pour ceux qui je connais rien, bon bah vrai alors. Joël a réalisé le pro de Squeezie sur la musique influenceur. a réalisé le pro de Squeezie sur la musique influenceur. Faux, vrai. Il est né le 16 juillet Carilito, le 30 août 1986. Ah ben, il y avait des trucs là. Non, faux. C'est Quetzal Pro qui a réalisé avec Mick Ballester. Un couple ensemble. Hein? Un Geophonis et Warteg ont déjà été en couple ensemble. Je sais pas moi, vrai. Ah, ok. Doug B a déjà acheté de la drogue. Je sais sa vie privée pendant un an, mais se sont quittés en 2015. Ah, d'accord, ça répond à nos questions là. Ok, Dobby a déjà acheté de la drogue. Bah, faux, je crois pas que c'est un. Ah,
D'accord, ok, bon, bah, ça veut dire vrai, ok. Ok. Le bouseux a déjà participé à... Attends, Nubi nous a confié cette anecdote sur sa vidéo. T'es, tu peux arrêter. Ouais, bah, je vois zéro vidéo, moi, comment tu veux que je sache tout ça, ouais. Moi, j'ai cru que c'était sur YouTube, des questions sur YouTube, mais non, c'est des questions sur des YouTubeurs, ouais. Au début, c'était une question sur YouTube, quand YouTube a été créé. Mais après, le reste, c'est des questions de pas YouTube, tu vois. Le bouseux a déjà participé à une télé-réalité. Le bouseux, c'est qui, lui, déjà? Ah, j'ai pas envie que les grands YouTubeurs regardent ma vidéo, parce que là, ils vont dire... Ah, d'accord, sérieusement. Elle sait rien en nous, là. Sérieusement, c'est même pas une abonnée. Mais c'est qui le bouseux, ouais? Attends, c'est pas lui avec... J'ai pas... Bah, je dis oui, vrai, non, faux, en fait. C'est trop dur! Mais c'est qui le bouseux? Et tout le monde doit le savoir, mais moi, non. Non, mais je connais rien, ouais. Like était raciste, son cousin. Bouseux est juste passé en casting pour un général mannequin, ok. Like était raciste, son cousin. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Mais! Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. J'espère qu'on n'a pas de vie, hein. Parce que là, si on a de la vie, on est un peu dans la merde. Thibaut Yansab a déjà fait une vidéo qui s'intitule Un métier avec les morts. Hein? Là, ils sont amis depuis environ 15 ans, ok. Faux qui va faire. Ok. Non mais il y a tout faux en fait. En fait je suis nul. Vrai en fait. Il y a tout faux. Je suis nul. Ami atteint les paliers des 6 millions d'abos. Vas-y on va dire vrai hein. Ah enfin. Attends, les paliers des 6 millions d'abos décembre 2019. Même que je connais pas, j'ai trouvé direct. Mister V a déjà sorti les 3 albums. Mister V. Hein? C'est qui lui? Ah, vite, sérieusement, je connais aucun youtubeur. Faux. Je sais pas, je fais aller-tour là. Seb la frite s'appelle Sébastien la frite. Bah, moi je dis vrai parce que si Seb. C'est pareil que Sébastien et frites, c'est presque par frit, hein. Ah bah voilà, hein. Je suis intelligent, je le connaissais pas, mais voilà. C'est la bah, frite s'appelle bien Sébastien frite, d'où le jeu de mots pour ça chez YouTube. Bah voilà, hein, je le savais, hein. C'est faut être juste intelligent, même que je connais pas ce YouTuber. En fait, je vais regarder sur tous les YouTubers que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais regarder sur YouTube, hein. Juste pour voir à quoi ils ressemblent, ben, ils ont combien d'abos. Hein. Et c'est là qu'ils ont des milliards d'abos et moi j'en train de dire que je les connais pas. Ah ouais, d'accord. Le grand GD a déjà fait reportage en Afghanistan. Afghanistan. Je sais pas, je dirais faux. Ah, c'est bon. Crépien a commencé les vidéos du Dailymotion. Bah, il y a pas mal de monde qui commence du Dailymotion. Voilà. Alors, Hugo Possa a 18 ans. Oh, mais il est jeune. Il doit être plus vieux que ça, ouais. Eh ben, j'ai raison. Hugo a 18 ans. Et j'ai dit qu'il était plus vieux que ça, même que je connais pas. J'ai dit ça. Hugo Poussin est né le 29 mai, il va avoir 21 ans. Ah bah d'accord. Avoir 21 ans. Ouais bon bah par contre moi je le fais il y a longtemps le truc hein. The Kiri fait de la plus de mise. Oh The Kiri. Ah lui je le connais bien sûr. Lui je le connais The Kiri. C'est le seul youtubeur que je connais. A plus de 1200. Bah vrai hein. The Kiri, je connais. Nato est né en Pologne. C'est qui lui? Nato est né en Pologne. Mais t'as cru que je savais la vie des youtubeurs? En plus, je les connais pas, faux.
Ok, je fais aller-retour et je suis arrivé. Grigito et la vraie vie de Bungie sont les mêmes personnes. Oh, Origine Poney est née à Paris. Oh, ok. Greg vit depuis la... sont les mêmes personnes. Bah, faux parce qu'il y a une porte là. Ah! C'est une blague, je me suis fait avoir, les amis! C'est vrai. Je crois que c'était fini. Je me suis fait avoir avec la porte. Vas-y, ça se fait pas. La chaîne YouTube du Palmasso existe depuis. De Palmasso existe depuis 6 ans. Vrai ou faux? Faux, 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 faux. Je suis nul. Je suis nul. Naxu et Noxy se sont rencontrés à la Redbox. C'est qui eux deux? Alors cette fois je dis ne faux. Voilà. Ah bah j'ai fini. Ok, j'ai fini. D'avoir qui se voit faux, dis-moi ce que tu en as pensé sur Insta. La flemme. La meuf. La flemme, la vie. Non, vas-y, la flemme, c'est bon. La flemme, elle est sur ça. Bon bah les amis, j'ai cru que c'était autre chose, mais bon, c'était pas trop à qui ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai répondu. J'espère que les grands youtubeurs, ils vont pas voir ma vidéo, parce que là, dans leur tête, ils vont péter un câble, parce que je les connais tous pas en fait. Je demande bien, ils ont combien d'abos? Faut vraiment que j'aille voir sur YouTube qu'ils ont combien d'abos, s'ils ont à peu près 1 million d'abos. Je suis un peu de la merde parce qu'ils vont dire cette personne nous connaît pas, sérieusement. Mais on s'en fout. C'est rare que je regarde sur YouTube. C'est rare. Bah Michou, je sais qu'il a les je sais pas combien de beaux, je crois les 3 millions ou les 4 millions. Oh, je sais pas si je fais plus sur sa chaîne depuis longtemps sur Michou, je sais même plus il a combien d'abos. Lui, c'est sûr qu'il a 1 million et après les autres, je sais pas. Et ouais, les autres, je sais pas en fait. Hein. Je sais pas combien ils ont d'abord. Tout ce que j'espère, c'est que ces grands youtubeurs regardent pas ma vidéo parce que sinon, ils vont. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont dire ah, d'accord, j'ai cru que j'étais plus populaire que ça. Bah voilà, c'est juste que je suis pas trop regarder les vidéos des gens, tu vois. Juste rarement, mais juste des gens que je connais, pas des grands youtubeurs comme Michou et je sais pas qui d'autre, tu vois. Moi, je regarde juste des chaînes des gens que je connais en vrai, dans la vraie vie ou des amis à moi, mais sinon, je regarde pas la chaîne des autres, voilà. Des autres youtubeurs que je connais pas, bien sûr. Que je connais pas, qui sont même pas mes amis, hein. Bien sûr. Bon, vas-y, je vous ai raconté ma vie là. Bon, je vais vous laisser, hein. La caisse et la vidéo vous a plu. Et je vous dis au revoir, les amis!